Gobert et Kuta aillent qu'on s'enrôler pour se devoir l'année civique. En tout cas, la commune Yangaba, nous sommes beaucoup vivants. Après, j'espère que vous ferez l'entrée normalement. Pour sortir, peut-être que vous pouvez parler, je ne sais pas. Venez-vous les apprêtes. Papa. Les apprêtes. La dit ça. Le message de la maman. Le message de la maman. Le message de la maman. Est-ce que vous avez percuté dans la ville de Kinshasa, vous venez vous enrôler aujourd'hui? C'est avec quelle intuition ou bien quel est le message que vous voulez lancer proprement à la population et aussi aux membres du gouvernement de la République? Voilà, d'abord, je tiens à ma qualité de coordonnateur du groupement des alliés de Tshisekedi et de l'IDPS à présenter mes très sincères condoléances à toutes les personnes qui ont trouvé la mort hier au marché central de Kinshasa. Ce que je dirais d'abord, que nous désapprouvons ce genre de pratiques. Et à cette occasion, j'en appelle à ceux et celles qui ont l'impérium dans ces pays, qui ont l'effectivité de pouvoir dans ces pays. Donc j'en appelle à l'autorité de l'État de sécuriser toute la population.
Ça, c'est le premier message. Vous constaterez que au lendemain de cet acte ignoble, nous avons tenu à venir nous enrôler. Pour quelle raison? C'est pour la seule et simple raison que ma présence ici, notre présence ici, la présence des membres de rassemblement et les points de départ, le point de lancement d'une grande campagne de sensibilisation de la population pour que cette population aille s'enrôler. Donc nous tenons à faire la tournée de toutes les communes pour appeler la population à aller s'enrôler. Enfin, je dirais ceci à la population. Tous ces actes du genre qu'on a vu hier, ces massacres, l'insécurité qui règne à outrance ne doit pas nous distraire et surtout ne doit pas nous empêcher ou aller s'enrôler. C'est la seule façon, je dis bien, c'est la seule façon de sauver et la démocratie dans notre pays et la constitution dans notre pays. Enfin, j'en appelle à M. Nanga, le président de la CENI, de mesurer la responsabilité qu'il porte ou qu'il portera dans l'histoire au cas où ces élections n'auront pas lieu au plus tard le 31 décembre 2016, conformément aux accords de la Saint-Sylvestre. Il ne faudra pas que M. Nanga se prenne pour le porte-parole du PPRD et des alliés. Il ne faudra pas que M. Nanga fasse la répétition des élections de 2011. Ça sera de sa responsabilité. Tout ce qui arrivera au cas où les élections n'auront pas lieu sera de la responsabilité de M. Nanga. Car vous savez, il y a un nouveau principe au niveau du droit pénal international, c'est le principe de la responsabilité individuelle. Donc, en quittant ici, nous allons débuter notre campagne de sensibilisation à l'enrôlement par les marchés Lingaba et ainsi de suite. Et dans les jours à venir, nous irons à travers d'autres communes. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.